encore une petite vidéo avec des anecdotes qui se sont passées pendant le confinement. Et on commence dans l'Aude. Deux hommes vont faire leur course avec leur attestation, ils se croisent, c'est des potes, et du coup ils s'arrêtent à une petite table et ils s'ouvrent une bière. Là les flics les voient et les avertissent de ranger leur bière et de rentrer chez eux. Ce qui est tout à fait normal et c'est déjà très bien qu'ils se soient pas pris 135 €. Mais un quart d'heure plus tard, les flics repassent et ils sont encore là et ils ont décapsulé votre bière. C'est du foutage de gueule. Mais moi ça m'étonne pas des gabaches. Et oui, prenez ça dans la gueule. Non je déconne, les gabaches on vous adore. Qui aime bien et châtie bien, on vous adore. À Gironde, il y a eu un apéro entre voisins sur le trottoir. Normal, 9 personnes. Bim, 9 × 135 €, ça fait du bien. À Avignon, il y a une voiture qui a été contrôlée avec deux passagers sans attestation. Par contre, ils avaient un truc, c'était un 357 Magnum. Tout à fait normal. Et ce qui fait peur, c'est qu'ils ont pas su dire d'où ils venaient ni où ils allaient. On savait pas. Il y a des gens bizarres. À Lussac, il y a une trentenaire qui a eu un accident avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Pas de permis, pas d'assurance sur la bagnole. Pas de contrôle technique et une attestation bidon. Ah ça lui a pas coûté 135 €, hein, non, un peu plus cher je pense. Et on finit avec un monsieur en région parisienne, comme par hasard, qui s'est pris un an de prison. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a craché sur la police, insulté et frappé les policiers parce qu'il n'avait pas d'attestation. Par contre il avait 26 grammes de résine de cannabis sur lui, hein, pour sa consommation personnelle. Et petit détail, ça faisait 3 semaines qu'il était dehors. En même temps, je peux comprendre que si t'as passé quelques années en prison, que tu sors et qu'on te dit que c'est le confinement, t'as les boules. Ben du coup, y retourner, normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, reste chez toi. Adieu.